Oui, si vous voulez. Alors, Alexandrie demande à pouvoir déplacer ses troupes chez nous. Et qui ça? Et les Mamelouks? T'es en guerre contre qui? Contre personne? Bah, j'accepte. J'accepte que les Mamelouks, ils viennent. Interaction, j'ai amélioré les relations avec eux d'ailleurs. Et toi aussi. C'est tendu? Non, c'est pas tendu. Colisée a été construit. Oui. Oui. Ici, 600. Défense des unités. Bâtiment. Port. Ici. Améliorer les relations. Là, améliorer les relations. Palais de Caserte a été construit et je peux encore prendre. Améliorer la Cour suprême. Attends, c'est Saint-Marin ça? Non, ça. C'est Anguilla, ok. J'ai eu peur. Surtout que Saint-Marin, c'est quelque part dans ce coin-ci. Tiens, et là? Monaco, il est occupé par Nice. Ouh, ça, c'est une très mauvaise idée de sa part. Parce qu'il m'attaque. Maintenant, on est voisins. Donc je vais pouvoir l'attaquer hyper facilement sans avoir Milan qui m'embête. Très mauvaise idée, mon ami. Améliorer la capitale, je confirme. Ici. Ici, choisir mes rivaux. Ben Milan, hein, je vais rivaliser Milan. Maintenant que j'ai ça qui est amélioré. Manque de général. 6-8, ouais, bien. Pacte de non-agression avec Candy. Ma chère Candy. J'ai réamélioré. Pourquoi ça diminue? Est-ce que en relation, tu. Non, tu fais en sorte que ça aille bien. Très bien. Et je vais te partager de la tech. Stimulation d'économie. Est-ce qu'on peut venir simuler ici l'économie à Messine? Pas de nouvelle loi. Efficacité. Ça devrait. Ouh, le but. J'aime bien voir le graphique. J'ai pas de dette. Alors ici, on va baisser le paiement, héritage. Tunis, c'est du papier. Est-ce qu'il y a un endroit où ils font des éléments un peu intéressants? De la bière. Ouais, stylé.
stimuler économiquement les endroits où ils font de la bière. Et ici, en militaire, je vais me faire quelques casernes. Et ce qui serait très intéressant, c'est de venir faire un mur. Un mur à la capitale. Et également un mur à Rome, dès qu'on a l'argent. Où est Rome encore? Ici. Et quand on aura de l'argent, peut-être un mur à Pise. Âge d'or de l'armée. Boum! Manque de général. 6-6. Ici, 34. Oh, on commence à être bas. Ouais. Fin de la rivalité. Mais non. Oh non, non, ce n'est que le début. Vous, tout le monde en mer. Ok. Ici, mercenaires, j'ai recruté à 18 000, c'est très bien ça. 12 000, allez. Il me faut 800 pièces. On va prendre ceux à 6 000, ils sont... c'est pas grand chose. Point ici. Manque de général. Et ensuite une loi. J'ai quelle loi qui a été débloquée? Système judiciaire. Mercenaires. Ouais, je vais prendre les 6 000 alors. Héritage. Ok, donc Gênes, déclarer la guerre. Ou Castille en plus. Nickel. Ça aurait été une guerre très rapide. Et tant mieux. Hop. Je prends tout. Ça m'augmente. C'est parfait. Castille, il faut vite que j'aille améliorer les relations, vu qu'on a été en guerre. Et toi, est-ce que je peux... dissoudre? Ouais. Non, je veux... comment on fait pour les mercenaires? Mercenaires. Ceux que j'ai embauchés. Alors, maintenant on est à 45, on va rester calme pour le moment. Même si lui me démange. Province. Alliance expirée. Oui, mais on va refaire l'alliance. Non, ils veulent pas. Acte de non-agression, ils veulent pas non plus. Envoyer une donation. Très bien. Ouf. Parce que là, c'est la seule chance que j'ai de survivre, hein, d'avoir la France. Enfin, quoique maintenant, non. Première puissance mondiale, ça va. Mais la France a des belles armées. Troisième puissance mondiale, la France. Et les Yuan. Yuan, ok. Ils ont Pékin. Qui est le chef? Wen 10. Wen 9. On a des bonnes relations. Est-ce que t'as accepté une alliance? Un pacte défensif? Non. Un pacte de non-agression? Non. Dommage. Ce qui ne servira à rien parce que je compte pas aller agresser la Chine, mais... Bah, Bibi, pas toi aussi, monsieur la voiture. Oh, il serait simple. Il
très simple. Mais faisons attention. L'empire de la pizza. Ouais, Alexandrie. Et Alexandrie, si je te déclare la guerre, bien évidemment, j'ai les mamelouks contre moi. Pacte défensif, non. Pacte de non-agression, t'es pas encore chaud. Ok. Ici, je peux construire, je peux avoir un héritage. Recherche augmentée. Décret d'expansion coloniale. Oui, mais j'ai pas envie de le mettre. Non, je vais en créer un. Tentative d'en mettre un. Depuis ici. J'ai pu, mais c'est de la triche. Ok, donc là on va créer 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir coloniser les îles ici petit à petit. Hop, et si je le souhaite, peut-être ces îles-ci seraient intéressantes. Voilà. Ici, j'en ai une. Non, j'ai en crise. Manque de général. Non, c'est faux. Améliorer l'académie militaire. Capitale. Deux, trois, quatre, cinq, six. Cinq, c'est très bien. Manque de général, c'est pas grave. J'aimerais bien établir une capitale, enfin, une province aux États-Unis. Pour commencer à avoir mon empire de la pizza qui arrive à New York, quoi. Ça me paraît logique. Voilà, ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. L'Islande, elle se met bien. Trêve, trêve. Pourquoi Gênes existe encore? Ah oui, Gênes doit exister, genre là. Et ils font toujours partie du Saint-Empire? Non. Toujours pas moyen de rentrer dans le Saint-Empire. Ok, loi débloquée, mais je vais pas la faire, parce que ça fait n'importe quoi. Encourage l'expansion coloniale, oui, mais j'ai pas envie de le faire, donc je ne le ferai pas. Manque de général, non. Et point en avantage. Coût des bâtiments économiques. 800 points, je peux prendre ici. Efficacité fiscale. Et là, ouvrir l'arbre de recherche. Première cavalerie. Oui, c'est bien, mais je ne le ferai pas. Upgrade de régiment. Si tu veux. Combien 80... Ouh. Ouais, je vais te dissoudre. Ok, et donc là, je suis à... ça... Donc c'était combien, c'était... 10, 4, 4, 10, 2. Créer une nouvelle armée. 4, 4. Il faut plus d'argent. Ok.
Et très bien. Choisir une province à part à Naples et créer l'armée. Boum. Et j'hésite, mais je vais peut-être attaquer... On est à combien? Non. Gouvernement. Naples, non. Gouvernement. Ici, on est à 25. Je vais peut-être commencer par eux. On n'a pas de général. Maintenant, on a un général. Ok, on va commencer par ce pays, déclarer la guerre. Négocier la paix. Et on prend tout. Ça me monte à 43, donc... Tac. Et tac. Choisir un rival. Je t'ai déjà mis en rival, toi. Ici. T'es pas rival, bah tu vas l'être. Oh, ici, c'est encore plus drôle. Pour avoir lui... Okay. Je vais devoir manger Milan, le libérer lui. Ici, gouvernement. Ah oui, il va loin, il va jusqu'en Suisse en fait, l'Empire de la Pizza. Bien. Ici c'est bon. Un héritage de civilisation. Pacte de non-agression, ils sont d'accord. C'est très bien. Pacte de non-agression, ils sont pas d'accord. Pacte de non-agression, ils sont pas d'accord. N'empêche, on dirait vraiment une blague. Une blague, cette histoire. Mais en fait, je pense que c'est réellement une blague du développeur de créer ça. Dans le jeu, dans le titre, dans le 2, qui était un peu différent, il avait créé l'Empire d'Australie-Hongrie. Parce que bah, Austria et Australia en anglais, c'est très proche. Donc il avait créé l'Empire d'Australie-Hongrie. Il y a plein de blagues ici. Je connais pas tous les empires formables, mais il doit y avoir d'autres blagues qui ont été créées. C'est pour avoir un trophée? Oui, bien évidemment. C'est pour avoir le trophée de vous avez créé l'empire de la pizza. Ici, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, très bien. Et là, on va recréer 5000 colons qui vont aller jusqu'à ici, qui se rapprochent beaucoup des États-Unis. Hop, là, je peux. Aucun conseiller. On a un conseiller. Entretien de la province et temps de construction. Allons-y. Et ensuite, manque de général, c'est normal. Loi débloquée, je m'en moque. Donc, on va aller sur cette petite île. Et après, j'ai quand même envie de lui donner une vraie tête d'empire. Ah, Enrico VI est mort. Oh non. Et du coup, maintenant, qui dirige le pays? C'est Roberto Ier. Première... Ah, cavalerie améliorée. Ok. Loi. Non, on s'en occupe toujours pas. Hein, c'est ça, on s'en occupe toujours pas. Point. Améliorer les relations. Rip Enrico. Tu aurais été un grand chef. Tout le monde se souviendra d'Enrico. Améliorer la capitale, je prends. Donc normalement ici, voilà, upgrade régiment. Oh, j'ai trop d'armées. J'upgrade toutes les cavaleries. Et vu qu'on me dit que, oh là là, t'as trop d'armées.
Je vais venir développer ici. Est-ce que... Où vais-je installer ma première? New York, c'est... Newton. Non, c'est pas exactement ça. Les merveilles. Est-ce que si je sais où est... Chicago... Washington, pardon. New York doit pas être très loin. Newark, c'est peut-être ça, New York? Ce serait ça. Ça pourrait être ça, ouais. Oh, ben voilà, ici. Hop, on va venir construire. 2, 3, 4. On va fonder la première colonie ici à Patchogue. Ah non, Riverhead. Voilà. On va pas trop s'en inquiéter plus pour le moment. On va améliorer les relations avec les gens dans le coin. Hop. Bonjour, cher voisin. Pacte de non-agression. Non, je vais continuer d'améliorer. Alliance, pacte défensif. Ok. Sauvegarde, ouh. Ici, héritage. Surtout gouvernement. Oh, on est à 23. Sur lequel va-t-on se diriger? J'ai envie de dire Milan. Ok, non, on va aller se diriger sur lui ici. On va descendre, on va faire la côte. Déclarer la guerre. Comment ça refuser? Il me manque quoi? Ah, mais c'est parce que... Bah si, envoyer une insulte, je sais pas. Merci. Faire des demandes, voilà. Ça m'étend un tout petit peu. Il y a que Monaco qui ne fait pas. Bah si, Monaco va faire partie de l'Empire de la Pizza, je vois pas. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Si je déclare la guerre. Plus... Ah, c'est pour ça que j'ai une expansion agressive qui monte super vite en fait. Je peux te faire libérer Monaco en tant qu'état. Je prends Monaco. Un ici. Un ici. Et voilà. Province. Hop, on intègre tout. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça me plaît pas trop, ça. On va devoir venir sauver le pays. Qu'est-ce que tu fais, Byzance? T'as bouffé l'Ottoman et tu viens pas défendre Chypre. Honteux. Alors avec tout l'or qu'on a, on va faire plein de jolis bâtiments. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des ports de pêche. Ferme de culture. Mine de sel. Ah bah oui, déjà si on a des mines de sel que l'on peut faire.
On va construire toutes les mines de sel possibles. Ça apporte quoi ? Économie, oui, très bien. Ok. Est-ce qu'on a d'autres bâtiments un peu particuliers comme ça ? D'autres mines ? Moulin, papier, à mon avis, c'est que dans des provinces où on peut faire du papier. Ouais. Alors, héritage. Nombre d'alliances. Ah ok, c'est au niveau 3 qu'on aura droit à plus une alliance, d'accord. Non, c'est toujours pas ça que je veux. Choisissez vos rivaux. Déjà mis en rival. Non, ben voilà. En bâtiment. Ferme de moutons, mine de sel. Est-ce que j'ai pas des mines de fer? Mine. Ça, c'est mine de cuivre. Il y a aussi des mines de fer qu'on peut faire. Point ici. Allez, on va prendre butin plus 5, même si on le fait jamais. Manque de général. 8-8. Boum. Héritage. 600. Boum. Ah, on a débloqué une autre loi. Loi sur la conscription, ça fait quoi? Je prends aussi. Et ensuite, bâtiment. Donc j'en étais aux mines de fer. Elles sont toutes faites. Ici, carrière de marbre. Très bien. En bâtiment administratif, on n'a pas des trucs un peu... Oh là là, palais de justice. École. Deux écoles. Attends, on était en guerre contre la Serbie. J'étais pas au courant. Quelle est la prochaine cible? Du coup, ça va être Milan. Le problème, c'est que si c'est Milan, le prochain empereur... Oh, si c'est vrai. Ouais, non, justement, c'est même mieux. Il va falloir... On va devoir démonter Milan. Alors, sauvegarder. Et on va attaquer Milan. On est à combien en gouvernement? On est à 27. Promouvoir un conseiller. Oui, faisons-le. Et améliorer la Cour suprême. Corruption par niveau moins... oui. Ok. La Cour suprême, je confirme. Pacte de non-agression avec eux. Ils sont chauds pour le refaire. Un pacte défensif, s'il n'y est pas encore. Et une alliance, on en est très loin. Ok, ici Milan, c'est ici leur capitale. Ok, déclarer la guerre. Alors, hop. Ok. Alors, ça aurait été long. Demandez... Oui, ils sont quatre religions. Ben non, ça sert à rien, je suis catholique aussi. Catholique. Catholique. Donc ça, c'est un truc qui est nul. Nul, nul, nul. Faire une demande. Libérer. Transfert. Par méplaisance, non. Enfin oui, on va accepter, on va prendre ça. Par méplaisance, c'est eux, c'est ça? C'est eux.
Et pourquoi? Parce qu'ainsi, après, je les libère. Par mes plaisances, ça devient à moi.